Eh bien c'est tout le monde de Chastris, c'est Bastien, et je se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la présentation tout simplement de mon nouveau serveur. Donc c'est un grand plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve et tout. Je suis avec le Matilio. Oui. Du coup en gros pour faire bref, ça fait un petit moment qu'on taffe dessus. Il y en a qui sont sûrement au courant qu'il a eu ou quoi. On taffe sur un nouveau serveur, un network avec le Matilio. Donc les fondateurs c'est moi-même et Matilio, je Tout à crois, fait. tout simplement. Tout à fait. Et les autres ils servent à rien, voilà. Donc on va vous présenter le premier serveur qu'on va le premier serveur qu'on va ouvrir. Donc ça va être un faction pète sa maman. Donc du Voilà. coup là je vous montre un peu le lobby quand on arrive et tout. Voilà, en mode BG, t'as carrément ta petite ta tronche dans le chat. Bon, moi ça rend pas très bien parce que mon skin voilà. Mais sinon normalement c'est joli. Tout à fait. Il y a tout ça, etc. Oh, c'est stylé aussi, truc de faction. Là vous avez la boussole, ça pour vous guider. Le lobby qui est vraiment swaggy doggy. Donc je vous montre vite fait le lobby, mais bon, voilà, vous aurez le temps de le découvrir par vous-même. On ouvre aujourd'hui aussi, donc en fait, à l'heure que je vous parle, dès que vous voyez cette vidéo, le serveur est ouvert. Donc par contre, je vous conseille quand même de regarder la vidéo en entière avant d'aller vous précipiter sur le serveur. Surtout qu'en plus il y a quand même beaucoup de slow. Enfin voilà, c'est au lieu de commencer à foncer sans rien connaître, c'est mieux de regarder quand même la vidéo avant. Et il y aura combien de slow d'ailleurs? C'est 1000 dans le 300 ou lobby et 400, tu m'as 400 dans dit? le faction. Non mais dans le faction. Il y en aura 350 Ouais, pour en tout le fait monde et 50 réservés on pour va moi. voir, ouais, on va voir en fait si ça lag tout ça, mais normalement ça devrait être good puisqu'on a une putain de machine du turfu. Normalement il y Ouais, aura let's aucun lag, go. donc on préfère vous le préciser. Donc du coup on va aller dans le faction. Donc c'est beaucoup, je parle là parce qu'en fait c'est beaucoup Matelou qui va parler pendant la vidéo. Du coup j'ai enlevé les shaders avec les arbres et tout. Du coup je vais commencer par vous présenter, je vais vous présenter en même temps le spawn, la warzone pendant qu'il va parler, et tu me TP quand il faut, genre pour les shops, etc. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que là on vous parle, mais c'est pas complètement fini, donc il manque genre des holographiques display à mettre au spawn, mais bon, ça sert à rien. Donc on a voulu faire un serf faction à l'ancienne, du style un peu comme Ice World avant, moi j'avais bien kiffé, mais en moins Voilà. cheat, c'est-à-dire moins de pomme cheat, moins d'œufs de creep, mais toujours présent quoi. Genre par exemple, il y a un cooldown de 2 heures sur les pommes cheat et elles sont plus difficilement obtenables. Donc voilà. Après, il n'y aura pas d'AP, donc ça sert à rien de vous précipiter pour claim des Ouais, AP ou je sais aussi. pas quoi. Donc ça sera bien pour Gros, on les a gens fait un qui... bon gros faction à l'ancienne. On a viré tous les trucs chiants. Le Voilà. PvP, il sera parfait. On est en 1.7 aussi, les mecs. En la bonne grosse 1.7, hein. On n'est pas. 1.7 et 1.8, ceux qui veulent, parce Ouais, qu'il y en a aussi, ceux qui... qui ont, ils font tout le temps du PQ et qui jouent en 1.8, vous pouvez quand même vous connecter, mais c'est de l'1.7 les mecs, de base. Du coup, le PvP est nickel, hein, vous savez, l'1.8, tout ça, c'est un peu le bordel. Et voilà, le PvP est super fluide, il n'y a pas de souci là-dessus, on fera une petite fight au pire, pour montrer à la fin, tout est good. Franchement, il n'y a pas genre les AP chiants, les trucs comme ça, c'est vraiment un bon gros faction. Potion, ça joue pas pomme cheat, ça joue plus potion. Enfin, en gros, il y a les pommes cheat, mais il y a 2 heures de cooldown dessus. Donc, Ouais. mais du coup, c'est surtout du bon gros potion, voilà quoi. Sinon, Pareil pour système la... de po enfin, système de power, faction, etc., c'est de base quoi. Ouais, avec Obsi pétable, tout ça au bout Ouais. de 20 TNT, je crois, Ça, il me c'est semble. cool, ouais. Donc des plugins qu'on a fait nous-mêmes quoi et tout. Et aussi je parlais donc au niveau genre des mecs qui spammaient les pommes d'or et tout, on a mis un cooldown dessus, genre un petit cooldown de 5 secondes, mais au moins ça évite les mecs qui les spamment quoi. Ça, c'est les pommes d'or normales, hein, pas les Ouais, pommes les pommes d'or shit. normales. Et donc après en fait, donc là c'est un des premiers serves qu'on ouvre. Et après il y en aura plein d'autres qui vont arriver par la suite. Donc on va pas vous Ouais. dire tout de suite lesquels, bon vous les avez Bah, vus je pense afficher que ouais, au c'est départ. affiché au web, etc. Ouais, On mais vous on en n'a a pas dit parlé. l'ordre Ouais, dont ouais, ils ouais. vont ouvrir. Mais on sait déjà que dans 2 semaines, il y en a un autre qui sera fini entièrement. Et celui-là, je pense que vous allez tous le kiffer, les abos de slide. Et Ouais. même les De autres. ouf, moi le premier, mon pote. Ouais, slide le premier, je pense. Et après, ça va arriver d'autres mini-jeux, serveurs En à gros, on part est entière, parti tout pour un ça. bon gros network. On a une Voilà. bonne grosse équipe, du coup, on va pouvoir faire des trucs de bâtard. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un serveur.
Vous inquiétez pas, celui-là il va durer, mais mon pote, pour ouais, il est là encore dans 4 ans, les mecs. Vous aurez Ouais, tous des c'est sûr. gosses et tout, il sera encore là le serveur. Non, ce que je veux dire, franchement, on est vraiment motivé. On est parti pour faire je sais pas combien de serveurs, et on va surtout la priorité sera la qualité, ce sera pas la quantité, vous inquiétez pas. Si un serveur il est bâclé ou quoi, on va pas le sortir. Mais ce que je veux dire, c'est quoi là, en gros, il y aura plein de serveurs. Et vous me connaissez, moi, avec mes idées, je vous fais toujours des serveurs de bâtards, qui a toujours des bonnes idées dessus, etc. Surtout le prochain serveur qui arrive, vous allez surkiffer. Ouais. Du coup, voilà, vous pouvez me faire confiance, on va vous ouvrir plein de serveurs, pète sa maman. Du coup, le premier, c'est le faction. On commence avec les bonnes bases pour poser les coups sur la table. Tu vois, un Bah bon gros surtout, ouais. faction à l'ancienne, et après, on va en ouvrir petit à petit, et des bons gros trucs. Du lourd, du lourd, du lourd. C'est Après. clair. Et aussi pour le site, pour ceux qui l'avaient vu avant, il y en avait un entièrement fait à la main, tout ça. On a dû le retirer parce que j'ai eu un problème avec Bycraft. Donc là, on est reparti avec un CMS pour le moment et on va commander un autre site à un webmaker, quoi. Donc va falloir que je le contacte, tout ça. Un gros site, à mon avis, qui va pas tourner avec Bycraft, mais avec un autre, une autre boutique, C'est quoi. ça. On est Et on encore un espère peu pouvoir en se faire. bêta, on va dire, mais c'est Ouais. largement jouable, quoi. Enfin, il n'y aura pas de lag, ou si le faction est complet, quoi. Enfin, ce que je veux dire, mais. Enfin, Claire. voilà, une mini bêta, on a encore. Il manque des petits trucs, tu vois, pour que ce soit tout bien parfait. Mais c'est largement jouable, tout ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de la machine, on a 60 gigas, 64 gigas de RAM alloués rien qu'aux Bon, bah, factions, pour donc ceux ça qui c'est s'y connaissent, énorme. moi j'y connais rien. Mais pour ceux qui s'y Ouais, connaissent, bah. C'est beaucoup, je crois. bah rien qu'aux factions, il nous reste 64 encore à allouer. Encore, c'est notre première machine là. Il y en aura d'autres. Et donc après, il y a 16 cores, tout ça. Bon, bah, je vais pas détailler la machine et tout. Mais en gros, voilà. Donc après, bah, on vous laisse découvrir le serveur par vous-même. Il y a des kits, des grades, comme sur tous les serveurs factions, quoi. Bah, on va Ça, vous présenter verrez. vite fait les kits genre VIP, tout ça, pour montrer que c'est pas trop cheaté. Genre, par exemple, le plus gros kit, c'est le kit MVP, c'est que un full P2, Sharp 3, Fire 2, etc. Donc oui, je préfère préciser, il y a du pay to win. Hein, c'est comme je l'ai dit, c'est Par faction. un bon gros serveur faction à l'ancienne. Et voilà, on va pas se le cacher, le pay to win, c'est pas réputé pour être bien. Mais c'est ce qui fait que c'est bien, en fait, d'un côté. Parce Moi perso, que j'aime bien si. Pay to Win. Bah ouais, c'est bien le pay to win, parce que, enfin, c'est bien. On dit ça parce qu'on est les fondateurs, mais ce que je veux dire par Ouais, là, mais c'est même sur les que. serveurs Pay to Win, Ouais, j'aime toi, bien. oui, toi, oui, toi, je sais que t'aimes bien, mais ce que je veux dire, moi, c'est vrai qu'il y a des serveurs que j'aimais pas trop, mais quand on y pense, genre, par exemple, à l'époque, pour ceux qui se rappellent, quand je jouais sur Heroes of PvP, bah, c'était un bon gros serveur pay to win, Ouais. et c'est ce qui faisait que on avait kiffé. En vrai, c'était ça, de Ouais, bah pouvoir oui. faire un petit kit tous les jours, d'avoir du stuff, Des parce que si s'il spawners, y a des pas bases avec des de s'il y spawners. a pas de comment s'appelle s'il y a pas trop de pay to win, bah, il y a pas beaucoup de stuff, et du coup, c'est la merde. Il y aura pas beaucoup de PvP, il y aura pas beaucoup de plein de choses, en fait. Alors que là, tu vois, de pouvoir faire un petit kit MVP, c'est tous les combien de temps les kits? 15 h le MVP, donc t'as le Ouais, time, tu vois, de quoi. faire un petit kit de P2 tous les 15 heures, bah, au moins, tu peux retourner PvP, et ça va bien remplir les coffres de chaque faction. Et quand il y aura des pillages, bah voilà, tu sais qu'il y aura beaucoup de choses dans les coffres, tu pourras PvP souvent. Et voilà, c'est ça en fait, ouais, ce qui fait qu'on aime les gros serveurs factions, tout ça, l'ancienne, c'est principalement grâce au pay to win, en fait, hein. Ouais, Ça, alors mais que voilà, quoi. moi ce que je kiffe surtout c'est genre les bases bien décorées, bien rangées, tout ça avec plein de stuff. Donc Ouais. franchement, limite je m'engage genre à faire un concours de la meilleure base au bout d'un moment, je pense ça peut être sympa tout Ouais, ça ça. pourrait s'y. Et donc on verra qui va gagner quoi. Et bah, je pense qu'on a fait le tour au niveau de ce serveur en tout cas du network. Ouais. Bah, de toute façon, vous verrez au fur et à mesure ce que ça donne. Mais voilà, quoi, un bon gros serveur faction à l'ancienne. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est. Ouais, c'est. Enfin, oui, c'est pas. J'arrive pas à m'exprimer, mais ce que je veux dire, c'est pas un truc de ouf, c'est pas une nouveauté, voilà, c'est pas un truc inédit qu'on vous fait comme premier serveur. Mais les prochains serveurs, vous inquiétez pas, ça va être du très très lourd, des choses qui ont pas encore été vues. Donc ouais, c'est juste Du pour moins qui ont histoire été mal de. vus, peut-être. Hein? Ou du moins qui ont été mal vus Ouais, non, mais voilà, en gros, pour les les serveurs prochaines factions. choses, ça sera vraiment des trucs originaux, inédits. Voilà, parce que pour ceux qui sont un peu.
qui sont un peu défaitistes, qui arrivent, ouais, le mec qui a pas fait de serre depuis longtemps, et puis ressort un faction que tout le monde a déjà fait. Enfin, voilà, vous inquiétez pas, le reste, ça sera vraiment pété de sa mère. C'est juste pour commencer, on vous fait un bon gros faction que tout le monde aime, hein. En plus, moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce genre de faction, du coup, je pense que je vais bien kiffer d'y jouer et tout avec les potos, donc voilà. Je vais sûrement vous faire un LP en fait, c'est pour ça que je dis ça. Normalement, ouais, du coup, ouais, je vais reprendre un petit LP faction ou les pillages à l'ancienne et tout, vu que vous kiffez ça sur ma chaîne, du coup, c'est cool. Voilà. La même. Et aussi, il y a des KOTH qui vont arriver. Ils sont pas encore finis de build, mais ça devrait pas tarder. Donc, à mon avis, ce sera les week-ends, je pense. On verra. Ou Ouais. peut-être automatiquement, on Ouais, verra. aussi, on Je sais pourra pas. faire ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je sais plus. Merde, j'ai oublié. Bah, je crois qu'on a tout dit de toute façon. Hein. Ouais, on a tout dit, ouais. Ah oui, les chunks sont déjà générés, donc quand Ah vous ouais. verrez la vidéo ouverte, enfin la vidéo ouverte, la vidéo sortie, Upload. c'est que le serve sera ouvert, donc vous inquiétez pas, Ouais, comme si j'ai vous dit au inscrivez tout le début. monde en Ouais. même temps, Ouais. c'est pas grave, parce que les chunks sont déjà générés, de toute Façon, façon vous ça allez reste arriver au ouvert. fur et à mesure. C'est ça que j'aime Ouais. bien aussi quand je poste la vidéo. C'est dit ouvert. C'est pas genre il va y avoir 300 codes d'un coup. Genre tout le monde spam depuis 2 heures que ça ouvre. Du coup, là, Voilà. ça devrait être. Il devra pas avoir de lag, même le début. Et s'il y en a un petit peu, j'ai bien dit si au cas où, bah c'est une ouverture quoi. Mais normalement, il devrait en avoir zéro. Il m'a dit Matelo. Donc, Ouais, non, là il y en a donc voilà. zéro. Du Bah, si coup, vous tu pouvez fais ça, je commencer vous genre dès inscris. maintenant ou créer vos putains de grosses bases et tout ça à mer. Attends, je Et t'envoie une ouais. commande à faire. Fais cette commande pour leur montrer la RAM et tout. Enfin, Ça, j'y ceux qui sais. connaissent en tout cas. Ouais, ceux qui connaissent, parce que même moi, je suis perdu avec ça. Donc là, 20 TPS, comme vous pouvez voir, avec mémoire maximale 66 Go, mémoire utilisée 11 et mémoire libre 9. Donc voilà, c'est énorme quoi. Ouais. En gros, il y a que deux mémoires d'utiliser avec tous les plugins qu'on a et. Là, on est doux sur le Du serre, coup, mais ça devrait voilà être quoi. nickel, quoi. Et on peut Ouais. nickel avec minimum, ouais, minimum 300 slow, 350, tout ça, ça, il devra avoir zéro lag. Du coup, vous pouvez bah, tous vous ramener maintenant tout de suite. Donc voilà, du coup, Yes. bah voilà, on va vous faire de gros bisous de partout. Donc j'espère que bah, vous viendrez nombreux sur notre nouveau serveur. Et surtout, bah voilà, pour ceux qui si c'est plus trop leur délire, les factions, vous inquiétez pas, il va avoir des gros serveurs là les prochains, ça va être du lourd ça. Donc voilà, bah, pour ceux qui aiment encore faction, ou même les gens qui découvrent le faction, bah voilà, c'est le genre de faction, c'est la base des bases, pète sa mère, il n'y a pas des trucs dans tous les sens, des trucs chelous. C'est la base et c'est super quoi, enfin c'est les meilleures factions moi je trouve, hein, vraiment. Ouais, c'est clair. Et Voilà. je pense qu'on va rajouter l'end aussi, parce qu'on a oublié de le mettre là. Je pense qu'on va le rajouter et on va mettre un petit KOTH aussi dans l'end. Et pour ceux qui voudront des enderpearls, tout ça. Il y a un cooldown sur les enderpearls aussi, j'ai Des oublié de 8 le secondes, dire. ouais. De toute façon, Mais ça, c'est des petits détails que vous verrez au fur et à mesure. Mais vraiment, ouais, je pense que vous pouvez me faire confiance avec l'expérience que j'ai en faction. C'est le même Matelou qui a fait beaucoup de factions. Enfin, voilà, vous savez tous les trucs chiants, etc. On y a pensé. Donc, parce que, ouais, c'est ça qui est bien dans les serveurs un peu. Enfin, dans les serveurs où c'est que c'est des joueurs à la base qui le créent. Du coup, on sait, on pense à tout, quoi. Alors que quand c'est des mecs qui sont là que, entre guillemets, pour l'oseille ou quoi, enfin, ils sont jamais joués avant. C'est pas tout le temps fameux. Donc voilà, vous pouvez me faire confiance, moi, avec l'expérience, tout ça. Donc voilà, bref, on va pas se répéter. Du coup, gros yeux de partout. C'était le Beast Lead. Venez là maintenant, Bisous. là, tout de suite sur le serveur. Je compte sur vous. Dès que la vidéo se termine. Et voilà. Du coup, bye bye. Bye.